On commence cette 23e journée par le premier match de cette journée. L'AS Ajaccio face à Toulouse. 11e but de la saison pour Cavalli qui donne la victoire aux Corses. Qui revient à 56 points avant de défier le PSG. Le match avancé perdu 1-0 face aux Parisiens. Le PSG, justement, qui a eu du mal à Lens, mais qui s'est finalement posé grâce à un but de Pastore, son 4e de la saison. Victoire 1-0 des Parisiens qui possèdent 73 points, soit 17 points d'avance sur l'AS Ajaccio. Le gros coup, il est réalisé par Evion Tounou-Ngaya, qui, grâce à sa victoire contre Sochaux, reste 15e, mais prend 4 points d'avance sur la zone de relégation. Sochaux reste 13e du classement. Laval s'incline à 0 à domicile contre le FC Metz, Enyemba Koto, 5e but de la saison pour le Messin. Et victoire 0 des Messins. Laval est 9e. Metz compte 33 points en 24 matchs. Et enfin, on terminera ces résumés par Nantes-Guingamp. 0-0 entre les deux clubs. Les Nantais restent en position de relégable. Guingamp est 14e avec 21 points. Le Sporting Club de Bastia, pour une fois, ne perd pas et n'encaisse pas de but. C'est en fait cette saison face à Lille. Enyama aurait été impérial si sa barre ne l'avait pas sauvé 3 fois. Côté Corse, Jean-Louis Lucas a fait des miracles. Score final 0-0. Bastia est premier non relégable, un point de plus que le Stade de Reims. Lille est 10e avec 26 points. Reims-Valenciennes, victoire des Nordistes de Valenciennes 1-0 grâce à un but de Angelo Fulgini. Les Valenciennois sont juste derrière leurs voisins lillois avec 22 points en compteur. Gazélec-US Orléans, victoire des Gazés 4 buts à 2. Le premier but est inscrit par Ali Boutaïb à la 29e. 36e, Greg Pujol pour son troisième but de la saison 2-0. Orléans réduit l'écart grâce à Levi Nabab. 11e but de la saison pour le meilleur buteur orléanais. Ensuite, le Gazélec reprend un avantage conséquent. Robert Ma à la 42e, 3. Puis 3 buts à 2, nouvelle réduction de l'écart. Cette fois-ci, c'est Romain Armand à la 59e. Puis Ali Boutaïb à la 70e pour sceller la victoire du Gazélec. 4 buts à 2, les Gaziers ont 4 points d'avance sur le 4e qui est Orléans. Enfin, Monaco recevait Saint-Étienne. Ce sont les Stéphanois qui se sont imposés en 0. Ils comptent désormais 35 points. Monaco en compte 27. Du fait de la finale de la Coupe de la Ligue entre Nice et le PSG le 7 avril, le classement n'a pas encore été actualisé. Les Parisiens comptent 73 points. 67 avec le classement non actualisé. Entre le 11e Valenciennes et le premier non relégable, le Sporting Club de Bastia, virtuellement 8 points les séparent, c'est très chaud dans la zone de relégation.